Salut, c'est Striki. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour poursuivre la survie sur I Am Future. Et oui, encore un petit burger. Il a faim. Il arrête pas de manger. Je lui donne à manger tout le temps. Mais il a faim, il a faim, il a faim. Alors, on va faire de la cuisine un petit peu améliorée. Et bah, vous voyez, j'ai récolté un petit peu. J'ai réaménagé. Ça commence à prendre forme. C'est sympa. On peut faire pas mal de choses dans ce jeu. Vraiment sympa pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment plaisant, c'est assez chill, c'est voilà, c'est vraiment, vraiment sympa à jouer et il y a du contenu, c'est ça qui est plutôt bien. Donc on va continuer d'avancer notre survie. Alors j'ai fait un peu de pêche du coup pour avoir les 5 grands globules œil. On peut pêcher des palourdes, c'est des appâts aussi qui peuvent nous aider, en plus des vers de terre qu'on peut trouver comme ça. Et grâce du coup au nanotransporteur, là j'ai redéplacé les buissons pour que ce soit un peu plus joli. J'ai refait de la culture, donc là j'ai remis des fleurs à pousser. Vous allez voir, en effet, il faut bien les arroser avec l'eau douce. Ben voilà, hop, pile poil. Et si ça c'est pas de la bonne synchro, allez, ça mérite un petit pouce. Un petit pouce pour la vidéo, merci. Tac, du coup il suffit de cliquer dessus, arroser avec le seau, on peut même arroser, non j'ai pas de support de bouteille je crois, ah si ça marche avec la bouteille d'eau aussi, ok je croyais qu'il fallait le support, tac, arroser avec le seau, sinon voilà ça vide un petit peu, ça vide totalement la bouteille mais ça vide qu'un tout petit peu le seau, donc faut arroser régulièrement, sinon les plantes ne poussent pas. Donc ce que je disais, bon, j'ai préparé des ressources si on en a besoin, j'ai réaménagé un petit peu, voilà, j'ai vaqué à des occupations assez classiques, un peu de farm on va dire sur ce type de jeu. Alors c'est très limité et pas contraignant, hein, c'est assez sympa. Et du coup surtout là, donc j'ai fait un peu de pêche pour avoir les 5 grands globules œil, donc c'est assez rapide, ce qui va nous permettre d'acheter la cellule d'inventaire, donc ça c'est génial, tac, voilà, on l'a acheté. Ah, l'engrais. L'engrais, on pourra acheter avec du croc dur écailleux. Ok, on verra. Je verrai si j'arrive à en choper. Ça permettra de remettre 2 bacs. Parce que là, je voulais remettre des bacs, mais j'ai plus d'engrais, en effet. Alors là, grâce à la... Ah oui, j'ai pas mal de... Enfin, des petites choses. Tant qu'on est sur l'établi... alors, on va peut-être pouvoir faire le module de sac à dos. Ah non, il me faut l'établi niveau 2. Mince, je croyais que je pouvais. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour l'établi de niveau 2? Il me faut un module de mémoire. On n'avait pas ça? Module de mémoire, on a. Ok. Tac, on va le prendre. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? On va peut-être pouvoir l'améliorer, ça va nous débloquer beaucoup de trucs. 2 transformateurs, les clous, ce sera pas un souci. Oh, 2 transformateurs, on n'a pas ça? Mais si, on a. Oh, nickel. Et les clous, les clous, les clous, les clous. Alors, on les fait là. Tac. Je crois qu'il en... 1, 2, 3... 4 clous, nickel. Et ben voilà, on peut améliorer l'établi niveau 2. Super, c'était pas prévu. Génial. Excellent. Alors du coup, maintenant, alors ça nous a débloqué pas mal de choses, je pense. Ça, on avait déjà. Solution d'électrolyte, batterie. Ah, on pourra faire des batteries, cool. Est-ce que là, on a des nouveaux éléments? Matrice, c'est nouveau, ça, je pense. Alors qu'est-ce qu'on... Ah oui, les plans, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah, ça nous a débloqué pas mal de trucs là. Plan de presse mécanique transforme la ferraille du parc voisin en matériaux de construction comme des planches et du métal. Ok, alors là, c'est des plans. Donc j'ai débloqué par exemple... Ça doit me le mettre parce que justement j'ai pas... Tac, tac, tac. Voilà, j'ai débloqué ces éléments-là. Là. Torche, barrière décorative et une autre barrière décorative d'angle. Mais les torches, ça nous dit... Pas très utile de jour, mais attire les électroparasites de nuit et les éloigne jusqu'à l'aube. Donc ça, ça peut être pas mal, je pense. On va essayer de mettre des torches, voir s'ils arrêtent de venir me polluer par ici, si je mets des torches un peu plus loin, là. Donc pour ça, il faut... Est-ce qu'on a... Non, il faut du charbon. Ben non, je peux le construire comme ça. On va faire ça. Torche, charbon et planche. Ah non, je pense que je peux juste la poser, en fait. Bon, on va essayer, on va en mettre une là, on va voir comment ça marche, est-ce qu'effectivement ils viennent, parce qu'ils sortent d'ici. Donc si on peut les attirer là, éviter qu'ils viennent par ici, ce serait pas mal. Donc, on va placer une torche, par exemple, là. Je peux pas là, voilà, ok. Donc là, il fallait une planche, je crois, ouais, et il faut 2 charbons.
Le charbon, je dois en avoir ici. Ah, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un, mais je dois pouvoir en faire ici. Tac, charbon. On va remettre du bois, on va voir comment. Ah, j'ai plus de bois. Je vais préparer le bois. On va déjà mettre le charbon, c'est pas grave, qu'il y a là. Du bois, du bois, du bois. Où est-ce que je peux en trouver maintenant assez proche? Ah tiens, là il y a une fleur, ça c'est cool. Hop, hop. Tac, tac, tac. Ah là, il y a un arbre. Les arbres, oui, c'est ça que j'ai découvert aussi. Les arbres, faut pas hésiter à les couper en fait. Puisque après, ça repousse. Hop. Alors pas les arbres morts comme ça. Et les planches, on peut en prendre deux. J'ai vu que je pouvais prendre deux planches maintenant. Regardez. Alors dès le début, je crois pas que c'était. Mais non, là, je peux pas. Pourquoi je pouvais prendre deux planches? Ah, peut-être. Ça dépend peut-être de l'inventaire. Parce que je pouvais prendre deux planches, fut un temps. Enfin, fut un temps tout à l'heure. Bon. Alors, on va mettre du bois, quoi qu'il en soit. Ça, c'est fait. Et du coup, du charbon. Ça me coûte 20 flammes. Ah, ok, cool. Ben, alors, on va en profiter pour faire de la cuisine aussi, tant qu'on y est. Salade, ça, c'est les tops. Cette salade a fait 25 là. Il manque des fleurs. Est-ce que je peux les récolter ou pas? Non, 10 secondes. Ah, cool. Ça, c'est bien parce que du coup, hop, voilà, 25. C'est vrai que c'est. Alors, on verra plus tard, mais pour le moment, c'est le truc un peu pénible. La nourriture, ça revient très, très, très souvent. Alors, ça va avec les arbustes, là, on peut monter vite. Mais après, j'allais dire tous les jours, il faut manger. Oui, en même temps. Il y a un petit côté RP, peut-être, du coup. Ah, voilà, les fleurs, hop, récoltées. Voilà, donc j'ai eu une graine, un appât et une fleur. Donc ça, c'est top. Hop, salade nutritive. Voilà, on en refait. Nickel. Et on peut la manger. On est remonté à 76. On devrait être pas mal. Et déjà la nuit. Donc c'est plutôt bien. Alors, s'il faut refaire un charbon. Il était où le charbon? Si je fais tout. Voilà. Nickel. Donc là, j'ai deux charbons. J'en ai peut-être un de trop du coup même. Oui, c'est pas grave. On en aura un d'avance si on veut refaire une torche, parce que si ça marche, et là, non, j'ai plus que 12 de bois, donc ça marchera pas. Hop, hop. Voilà, comme ça on va avoir la torche. Alors après, je sais pas si. J'espère que ça reste, qu'il n'y a pas besoin de remettre du combustible. Ok, ça c'est fait. Ah oui, c'est ça qu'on voulait fabriquer à la base. C'est dans quoi? Module de sac à dos. Voilà. Trop cool. On va avoir une place de plus. Stockage numérique. Ah, je sais pas c'est quoi. Donc là, normalement, rajouter de l'espace. On va utiliser notre module. Oh, une, deux, trois, quatre places. Super. Ah, ça, c'est trop bien. Alors, hop, peut-être que je peux virer ça en plus. Eh ben là, on va avoir de la place pour partir en exploration. Ça va quand même être vachement mieux. Vous pouvez porter une grande ressource. Ah non, oui, ça dépend de ça en fait. Voilà. Vous pouvez porter une grande ressource supplémentaire. Donc là, je dois pouvoir prendre peut-être même deux tôles en fait. Voilà. Un sur deux. C'est ce que je vous disais. On peut prendre deux tôles. Donc ça, c'est quand même cool. Ça doit dépendre de la satiété. Ok, bah là, on a déjà bien avancé. Hein. Établi niveau 2. On a essayé les torches et on a agrandi l'inventaire. Alors, on va passer. Juste au coin de pêche pour que je dépose ça. Je pêcherai. Je pense pas que ce soit super intéressant à vous montrer la pêche. Donc ce que je ferai, c'est que je pêcherai hors enregistrement, on va dire. Tac, je vais laisser ça là. Voilà. On peut peut-être, tant qu'on y est, si. Là, juste récupérer de l'eau. Remplir le seau. Ah oui, mince, il est déjà avec un peu d'eau douce. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a rempli la bouteille d'eau. Je reviendrai quand il sera vide. Après, on peut en refabriquer des seaux, hein. C'est pas compliqué, faut juste un tube en métal et un tube en métal et du plastique. Parce que c'est logique en soi. Ah mince, j'ai plus. Je pensais que je pouvais faire chauffer l'eau, mais j'ai plus. On va pas utiliser du bois. Oui, donc ce que je disais, voilà, cet arbre-là, par exemple, je l'avais coupé déjà. Hop, je voulais vous montrer ça aussi. Tac. Si je coupe l'arbre, après, pousse en cours. Donc là, c'est pas dérangeant de couper les arbres, en fait. Ah, je suis redescendu, donc je suis plus fort, je pense. Donc on peut prendre qu'une planche. Hop, on va la redéposer là.
Allez, et on va aller retourner voir. Alors, hop, on va afficher les quêtes. Réparer la tour intelligente. Et construire un mini-robot, mais ça, je crois. Ah, peut-être que maintenant, ça m'a débloqué des éléments. Est-ce que c'est. Voilà, là-dedans. Un petit assistant capable d'accomplir de nombreuses tâches, mais nécessitant d'être rechargé. Particulièrement mignon avec un chapeau. donc là, il y a des éléments que je n'ai pas encore. Hein. Du plexi, par exemple. La tôle, ça, on l'aura. La burette, on l'aura. Tac, alors on peut déjà le poser. Par exemple, on peut le poser là. Et comme ça, on va pouvoir mettre les éléments qu'il nous faut. Alors de la tôle, par exemple, 4. Ok, 1, 2, 3. Eh ben, on a les 4, c'est parfait ça. La burette, 5 burettes, je crois qu'il y en a ici. Non, pas là, ça doit être là du coup. Ah non, je croyais qu'on avait des burettes. C'est que de la peinture. Matériaux, solvant. Alors ça va nous le dire quand on sait pas. Hop. Source. Feu de camp cuisine. Coin de pêche? Coin de pêche, on peut avoir. Ah, peut-être dans l'eau, des burettes. Alors c'est bizarre. Ici, on peut faire des burettes. Ah ouais. Avec de l'huile de poisson et de la ferraille. Oh bah cool, on va pouvoir en faire. Alors, huile de poisson. On a de l'huile de poisson. Ah ouais, j'ai une huile de poisson. Ok. Ouais, filet de poisson. Eh ben, je referai ça plus tard avec la pêche. De toute façon, là, il y a des éléments qu'on peut pas avoir. Voilà. Noyau programmable, toit, expédition, boutique de Stan, hypermarché. On va peut-être aller faire ça, là. Essayer d'explorer un petit peu pour trouver des trucs. Voilà. Toujours avoir son petit spray. Hop, comme ça. Alors là, qu'est-ce qui me manquait aussi ici? Je crois que c'est ici que j'ai trouvé d'ailleurs le. Oh là, il y a une méchante plante là. Le plan du mini-robot. Je suis pas sûr qu'il y a. Non. Cellule d'inventaire. Ah, il m'en a redonné une. Module de sac à dos. On va peut-être pouvoir en refaire un du coup. J'avais l'impression que c'était du violet sur quoi je marchais là, mais bon, tant mieux. Découper, non, pour le moment, il n'y a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Il nous manque la matrice. Et matrice, trois matrices à faire. On va voir si on peut fabriquer de la matrice. Là, j'ai tout pris, hein. Je crois que dans le coin, je suis venu. Hop, on va reprendre la fleur pour pouvoir faire à manger. Ah! Stan, le collectionneur, vend des pièces de forêt avec ça. Je pourrais améliorer mon forêt et démonter cette capsule. Ok, bah faut qu'on trouve. Faut qu'on le trouve. Alors qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait de la matrice hein. Matrice, trois matrices. On va aller faire ça. Hop, pousse-toi-toi. Hop, on va prendre les myrtilles au passage. C'est par là. Alors. Ah, par contre, du coup, ça l'a attiré. Donc, ça l'a mis là, mais il m'a mangé ma torche. Carrément. Ah ouais, ça coûte cher en torche, du coup. Après, est-ce qu'il vaut mieux qu'il me prenne ma torche? Ça, c'est un peu pénible. Je sais pas si le mini-robot, du coup, pourra faire quelque chose. Parce que. Et j'ai regardé, ils disent que les petites clôtures. Hop, les clôtures là que j'ai débloquées, c'est de la barrière décorative. Mince. Donc ça sert pas. Hop, cette barrière n'arrêtera pas les ennemis, mais elle fera une jolie bordure pour vos parterres. Après, est-ce qu'on pourrait pas essayer quand même au cas où? Ramasser de l'encre. L'encre, c'est bien pour les plans. C'est comme ça qu'on déverrouille les plans. On va reprendre des myrtilles, c'est plutôt bien ça aussi. Ramasser de la ferraille, j'avais pas vu que j'avais laissé de la ferraille là, ok. Alors, de la matrice, il nous faut. C'est pour ça qu'on était revenu. Hein. On n'oublie pas. On a vite fait de se disperser dans le jeu, mais on essaye de rester concentré. Alors, tac. Matrice. Pièce, peut-être. Ouais, matrice. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Oh, solution d'électrolyte. Ok, du plastique, c'est pas un souci. Donc, il en faut 3. Donc, il faut 3 solutions d'électrolyte.
Est-ce que je peux la fabriquer, ça, déjà? Je crois pas, hein. Je crois que c'est ce qu'on a vu qui était bloqué, ouais. Établi, parfait. Améliorer la structure, il me faut quoi? 7 câbles. Panneau en mousse. Et batterie. Alors là, on va tourner en rond, parce qu'à un moment donné, je crois que les batteries, c'est pareil, on peut pas les faire, hein. Ouais. Il va falloir avancer. Solution électrolyte. Est-ce que là... Oh, plan d'arroseur automatique, génial. Arrose vos plantes avec l'eau de son réservoir à condition d'être alimenté en électricité. Ah ouais, ok, cool. Poteau électrique. Porte décorative. Tonneau d'eau. On va peut-être débloquer des trucs, hein. Là c'est quoi? Presse mécanique, transforme la ferraille en matériaux comme des planches et du métal. Ouais, mais ça c'est pas ce qu'il me faut. Ça c'est du rangement. Après s'il faut alimenter le reste. Ce qui m'embête c'est du coup je ne peux pas faire la solution électrolyte. Tac, et est-ce que je peux débloquer quelque chose là-dedans du coup? Non, là c'est pour avoir l'engrais, une tenue, une bouilloire. Alors est-ce qu'on peut peut-être aller autre part du coup si je finis le pont par exemple? Est-ce que si je finis le pont ça peut m'emmener ailleurs? Parce que du coup, ah ouais, mais le pont c'est pareil, il me faut quoi là? Ah, de l'armature en métal, il faut l'imprimante à ressources. Alors, comment on chope ça? Fabrication. Donc là, on a tout fait. Mini-robot. Ok. Petit rangement. Jardinage. Défense. On peut peut-être essayer la défense, quand même. À mon avis. Après, il n'y a pas de portillon, par contre, du coup. Parce que... Si j'ai pas de porte, comment je fais pour... On peut essayer. On peut essayer de se mettre... Hop, alors là, par exemple. Tac, on va voir, hein, de toute façon, comment ça marche comme ça. Pousse-toi là. Pousse-toi là. Il faut aussi deux clous. Deux clous. On va voir comme ça, est-ce qu'il monte dessus la prochaine nuit ou pas. Hein? Deux clous, ok. On va manquer de ferraille bientôt. Tac, tac, ok. Barrière construite. Ouais, c'est un peu ridicule. On verra. Objectif atteint, cool. Ah, j'ai atteint pas mal d'objectifs, on a des tickets. Donc je pense que ça servira quand on trouvera le... Établi niveau 2, oui, ça c'est ce qu'on a fait, d'accord. Objet, c'est tout ce qu'on a trouvé, d'accord. New. Tac, tac, tac. Non, c'est bon. Hop, ok. Voilà, alors je suis un peu bloqué, on va voir. Ça, du plexi, c'est pareil, je peux pas. Burette, on a vu qu'on était un peu bloqué, c'est pas ça qui va tout me débloquer de toute façon. Burette, il fallait quoi? De l'huile de poisson et de la ferraille, ouais, bon, c'est pas... Ah, et ça, c'est pénible, ces petites planques, là. Ok, donc je peux pas passer... Faudrait que j'arrive à passer là, mais pour ça, faudrait que... Ça, je peux pas le démolir encore. On va récupérer. Ah! Solution d'électrolyte. Et ben voilà la solution. J'avais oublié qu'on pouvait les avoir ici. Alors, il est où l'autre? Hop, on va aller voir si on peut en récupérer sur l'autre là-haut. Cool. Voilà, il y en a là. J'en ai trois. Alors, je me souviens plus c'était pourquoi, mais je sais qu'il nous en fallait. C'est pas pour lui. C'est pour la matrice, peut-être, du coup. La matrice qu'il nous faut pour la tour en haut. Matrice, voilà.
Et après, il faut du plastique et des micro-puces. On a ce qu'il faut. Cool, ça y est, on va pouvoir. Plastique. Hop. Il est où le plastique? J'en ai plus. Ah bah au pire, on va aller en pêcher. Hein. S'il n'y a que ça. Il faut 5 plastiques, donc il m'en faut 15. Est-ce que je l'ai mis à l'établi? Je croyais qu'on avait beaucoup, c'est que j'ai tout utilisé. Ouais, bah, ah bah si, je savais bien qu'on en avait beaucoup. Hop, ok. Non, c'est pas là, c'est là. Matrice, voilà. Une, deux, trois. Trois matrices, super. Alors hop, je vais remettre du plastique ici. Tac, tant qu'on y est, je vais tout remettre là. Ah, et puis on a encore besoin de manger. Alors, on va mettre ça là. Ah, j'ai pas fait de nourriture là. Ouais, c'est pas grave. On va bien y arriver. Confiture de myrtille, ça donne 15. Hop, nickel. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? Il manque des fleurs. Ouais, bah au pire, on va replanter un peu de fleurs. Hop, on va replanter deux. Ben, c'est pas ça que je voulais, c'était. C'est sûr, là, tac, hop, hop. Voilà, on a replanté deux fleurs, ça pourra nous refaire bien à manger tout à l'heure. Tac, là on est pas mal. Hop, sur la cuisine, on va remettre la fleur, la salade. Nous, on peut déjà manger ça, c'est déjà ça de pris. Où est-ce que j'ai mis Tac, voilà, ça fait une place. La matrice, c'est bon. Ah là, l'autre cellule d'inventaire, on peut la mettre là, peut-être. Tac. En attendant, parce que là il nous faut quoi? Module de sac à dos. Eh ben si, on peut le faire, hein. Donc on peut encore agrandir. Trop cool. Ah là, on est bien. Et après, c'est pareil. Eh ben, il faut juste une autre cellule d'inventaire. Ok. Donc là, on a beaucoup de place. C'est bon, on va pouvoir partir en exploration. C'est génial. Ok, allez. On va mettre les matrices. Comme ça, on va peut-être finir la tour intelligente. Ça, c'est cool. C'est même pas peut-être. C'est normalement, on doit la finir là. Tac. Super, merci d'avoir utilisé la tour intelligente d'Unicorp. Mon objectif, vous simplifier la vie et vous relier avec le reste du monde. Ok. Numérisation de conscience, correction de mémoire, contact avec des mondes lointains et contrôle de drone. Oh, trop cool. Alors, ce contrôle de drone, je pense que c'est le mieux. Les coordonnées exactes de votre destination est passée en mode manuel. Ben, je sais pas où je veux aller, je ne connais pas le monde. Réparer la tour intelligente. Ok, ça c'est cool. On a des sous encore, des tickets. Commencer l'expédition. Améliorer les modules. Commencer l'expédition. Ah, il est parti en expédition là. Ah, j'allais dire, par contre, je ne contrôle rien. Mais si, ça arrive. Alors. Ok. Donc ça c'est mon petit robot, je suppose, c'est son énergie. Plateforme de cargo, maintenez pour voler jusqu'à la destination. D'accord, c'est plutôt rigolo, ça c'est chez moi. Plage de détritus, si on veut du plastique. Alors là on est quel jour? Dimanche. Ok. 'Cet avion appartient à une célébrité mais ne décollera plus jamais, difficile de s'imaginer. Ok. Abri abandonné, butin, on peut avoir, ça peut être pas mal. Alors là, je sais pas, c'est que c'est fermé. Ok, c'est que c'est fermé certains jours. Caisse de ravitaillement, ça doit redonner de l'énergie. Donc on va pouvoir l'envoyer. Alors là, pour le moment, du coup, on n'a pas trop le choix. Soit de la ferraille, on va l'envoyer là, pour aller nous chercher une bouilloire. Excellent. Ok. Tout prendre. Ah, c'est direct comme ça. Je pensais qu'il y avait. Et après, du coup, il perd de l'énergie. Ok. Donc là, on a pris. Ah, on peut faire plus. Ok, plusieurs voyages. Excellent. Alors après, faut pas qu'il reste bloqué quelque part, du coup. là, c'est butin spécial. Alors. On essaye, on verra bien. Je sais pas comment ça se passe. Il n'y a plus que deux énergies. Ah, de l'engrais. Bah parfait. On va voir.
Il n'a plus qu'un d'énergie. C'est qu'on a trouvé du... Il rentre tout seul du coup. Mais l'engrais, ça c'est cool. Deux engrais, on va pouvoir refaire deux. Oh, ok. Alors, comment ça... Ah oui, mais j'ai plus de place. C'est un peu bête ça. C'est un peu bête. Ah non, ça me l'a mis là. Ok. Ok, on démonte. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'avion? Enfin, je sais pas si tous les jours, du coup... Oh, oula. Un nouvel instrument a rejoint la mélodie. C'est un héros qui vient secourir la demoiselle en détresse, comme c'est romantique. Ouais. C'est un peu gore. Inspecter le crash aérien. Accéder au cockpit. Ok, on va voir. Examiner la toute-puissance de la musique. Grâce à toi, ce trésor. Viens me libérer, proche chevalier. Ok, on va aller inspecter le cockpit, hein, c'est ce qu'il nous demande. Article au sujet de Mary Keane. La passion ne meurt jamais. La fameuse star de l'écran et de la radio Mary Keane, la diva rétro, a de nouveau été vue au bras de l'incomparable. Information supprimée. Ok, les rumeurs, c'est peut-être nous. Hein. Montée en puissance de Mary Keane serait uniquement due à l'intervention d'une certaine personne influente. L'audience de supprimer, titre d'annoncer, un chute libre, est-ce la conséquence du penchant pour l'alcool de sa nouvelle compagne ou de sa nature provocatrice? On dit bien que la folie et le génie vont de pair. Nous espérons que retrouve la raison et mette fin à cette aventure et la carrière de Mary Keane si tout se passe bien. Ok. Ah, on peut démonter ça du coup? Micorp? Non? Non, c'est juste pour faire joli. Inspecter l'objet, moi je veux bien, mais... Non, on peut pas là, on peut pas cliquer. Là, il n'y a rien. Ça, je pense que ça me mettrait quand je passe la souris quelque chose. D'ailleurs, dites-moi, alors c'est peut-être un peu tard, il y en a peut-être beaucoup qui ont quitté, mais... Si vous avez déjà joué au jeu et si je passe à côté de certains éléments qui sont assez primordiaux, dites-moi. Bon, là par exemple, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire ou pas? Je ne sais pas. Sûrement. Sûrement parce que. Bah parce que inspecter l'objet, mais je ne vois pas en fait. Ah, et est-ce que. Alors, est-ce que je reste trop long? Tac. Le bouton là, d'ailleurs, un truc à faire avec ce bouton là. Non? Y a rien à faire sur la caméra, y a pas un bouton. Ah ah ah, y avait pas un truc là? J'ai l'impression que ça fait un truc sur. Peut-être la souris qui bug, non? Bah je sais pas. On a juste vu, c'était peut-être juste à lire. Hein. Alors, tu ne pourras malheureusement pas entrer sans le code. Mes pauvres petits androïdes connaissent la combinaison. Essaie de les retrouver si ils ont survécu. Ok. Ah et le code. Inspecter. Le voilà le billet fétiche. Vous voyez les restes d'une sorte de code écrit au marqueur 19. Ah, ok. Donc on a un 19. Ouais, bah c'est pareil en fait. Du coup, non, il n'y avait rien à faire sur la tablette, je pense. Ok, donc on a un 19. Et du coup, faut retourner voir l'autre robot, je pense. Voilà. Et on a un... Bah on sait pas en fait. Il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas un autre robot quelque part, du coup? Alors, est-ce que le 19, il est écrit sur quoi? On va regarder. Là. Ah. 10-19, peut-être? On va essayer. Non? Un autre 9?
19, 19. Non. 49, 19. Et 40, 19. Non. Ah, ça me dit que le... Ouais, on connaît le 19, ok. Et je vois pas... C'était vraiment sur le billet que c'était écrit, du coup, et là... Là, non, on voit rien. Là, là je veux bien, mais là... Là, on sait pas. Est-ce que du coup, faut trouver un autre quelque part? Ah, mais il y a d'autres trucs à trouver. Ok. Unicorp, ok. Qui faisait des essais sur les robots et ça a mal tourné, hein. Examiner. Ok. Ouais, bah, il y a eu un crash, hein. Jusque-là, on est d'accord. Capitaine de l'avion, nous allons descendre. On a besoin d'aide. Ah! Les 4, voilà. Le chiffre du cockpit, t'es le 26. Ok. Donc 26-19. Ouais, ça ressemblait pas trop à un 6. Ok. Donc ça y est, on a le code. Cool. Hop, hop. Hop. Et hop. Voilà, 26-19. Des fois, quoi. Ça nous aide quand même pas mal, hein. Et des fois on s'en souvenait pas. Mais... Je me rappelle le jour où l'homme que j'aimais m'a fait entendre ce morceau pour la première fois. Ah, personne ne lui arrivait à la cheville. Il était si robuste, si courageux. Ok. J'ai voulu devenir le jukebox qu'il utilisait pour qu'il puisse m'avoir. Salut Marikin. Veuille, c'est elle, c'est écrit là. Tu ignores qui je suis, j'en conclus que tu ne m'as jamais vu. C'est l'ancêtre ou la nouvelle de Marilyn. Ce serait absolument inhumain de t'abandonner à ton sort. J'ai vu de quoi les électroparasites étaient capables. Je vais t'aider. Ok. Alors on va ramener un jukebox chez nous, du coup? Ok, donc on est revenu avec un jukebox, jour de la semaine, lundi. Le jour de la semaine apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran sur le panneau. Oui, bah c'est ce qu'on a vu ça. Certains points d'expédition et boutiques crypto ne sont pas disponibles tous les jours. Consultez l'onglet journal de votre menu personnage. Ouais, ça c'est cool. Et du coup, journal, Earl. Ah, Marikin. On peut les déplacer aussi pour les mettre ensemble, ouais, d'accord. Tour intelligente. Ok, peut envoyer un drone. Alors, comment on peut améliorer les modules, peut-être? Décodeur, stockage de méta, mini-robot construit. Oh, ah, on a pas mal de trucs là. Cool. Deuxième plateforme carbo. Il faudra de l'armature en métal. C'est ça pour que notre petit robot il ait plus de. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Construire un mini-robot et le pont. On en est toujours là. Mais là, on a bien avancé quand même. Tu pourrais me trouver une scène ou un petit coin sympathique près du bar pour que l'inspiration me gagne. Pour déplacer les personnages. Oh, c'est pas vraiment des personnages, mais ok. Sélectionne un personnage. Oui, bah c'est ce qu'on a vu du coup. Déplacer, ok. Bon, on va la mettre avec nous, hein, tant qu'à faire. Hop. Enfin, avec nous. On va la mettre vers notre camp. Tac. Pas loin de Earl, comme ça. Alors là, si on fait... Ouais, peut-être plus ici, du coup. Alors vers... ouais. Vers les bacs de tri. Voilà. Tac, nickel. Alors, ça, c'est fait. Alors si, il nous demande de déplacer et de la saluer au nouvel emplacement. On va voir si ça lui va. Oh, j'aurais peut-être pu la tourner. On aurait peut-être pu la mettre dans l'autre sens, en fait, face au mur. Du coup, ils nous ont dit c'était ça. C'était. Non, c'était quoi? Construction? Non, c'était pas dans construction, c'était dans quoi? Bon, à la saluer. Je retrouverai comment la tourner.
Tiens, cadeau, ce sont des gribouillis sans intérêt pour moi. Oh, cool! Donc je pense qu'on va avoir des tickets encore, c'est ça? Une ferme à minage me serait bien utile. Je sais exactement où je pourrais utiliser les U-pièces. Merci Marie. Cool, alors. M'acheter un beau rétro-éclairage pour mon châssis délicat. Ok, nouvelle tâche, construire une ferme à crypto. Ah, excellent! Nouveau plan, une ferme à crypto. Construction, ferme à crypto. Ok, l'argent était autrefois imprimé, mais le voici désormais cultivé par votre petit mais puissant ami. Donc il va nous falloir quoi? De la tôle, de l'électrolyte, des ampoules et des micro-puces. Bah, je pense qu'on va pouvoir tout faire en plus, hein. C'est vraiment très 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 complet, hein. Le jeu est vraiment génial. Ok, une requête un peu folle pour moi. Fais-toi une rêve milieu comme un aristocrate. Ok. Allez voir avec une coupe d'aristocrate. Ok, nouvel objet obtenu. Tac, et comment est-ce que... Alors, je suppose que si c'est là... Changer de tenue. Aristocrate, confirmé. Alors, on fait juste ça et puis on va arrêter l'épisode, hein, parce que c'est déjà long. Il y a très longtemps, tu étais le dirigeant d'Unicorp, monsieur Lucius. Waouh. Bah, non, enfin, je m'en... Mais non, il y a 10 minutes, je savais même pas qui tu étais, et maintenant tu as un jukebox. Donc c'est nous qui avons ruiné le monde, grosso modo. Ok, tâche terminée. On peut peut-être rechanger. Ouais, oh. Allez, on garde ça. Ah, il manque de l'eau. Il manque de l'eau. Faut arroser. Vite, 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 vite. Hop, arroser. Et ben, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Ah si, je peux faire chauffer la bouteille d'eau. Hop, hop. Hop, et hop. Voilà, ouf. Tac. Et ben, tant que j'y suis... Et ben, on va arrêter là l'épisode. Je vais aller rechercher de l'eau, je vais pour la refaire douce, je vais bouger ça. Et puis, ben là, on a débloqué énormément de choses aujourd'hui, hein, entre l'établi de niveau 2, on a lancé les expéditions, on a bien agrandi l'inventaire, du coup, ça, c'est cool. On a eu bah, des sous, des tickets. Voilà, bah, c'est déjà. Enfin, on a déjà fait beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je vous ai montré comment on débloque les plans, du coup, pour faire des nouveaux éléments. Donc, et bah, voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de continuer la suite. Forcément, de continuer la suite, oui, c'est, je sais pas si ça se dit, mais voilà, hâte de continuer ce jeu qui est vraiment, vraiment super sympa. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut!